se retrouver pour échanger et apprendre à mieux se connaître. Représentants de l'Église orthodoxe au sein de l'Europe occidentale, ils appartiennent en effet à des communautés différentes avec chacune leur patriarche et leurs origines nationales. Une mosaïque également présente à Bordeaux où Roumains, Russes et Serbes sont venus s'ajouter aux Grecs arrivés eux il y a près d'un siècle. La plus ancienne des paroisses, la seule à posséder sa propre église construite dans les années 50, a ainsi dû composer avec l'arrivée de ses nouveaux fidèles. Moi, en arrivant, je célébrais qu'en grec. Mais petit à petit, les Grecs partaient, n'est-ce pas, dans notre monde. Il y avait deux générations moins, n'est-ce pas, parlées, troisième, quatrième génération, ils parlent presque pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire une messe en grec pour personne ne comprend pas, par exemple. Et donc, on s'adapte en fonction de l'assistance. S'adapter et œuvrer pour le rapprochement des différentes communautés, la raison d'être de la fraternité orthodoxe, avec l'organisation depuis plus de 30 ans de ces congrès et leur prolongement au travers des nombreuses publications mises en avant par l'association. Notre souhait ici, c'est, comme ça fait plus de 100 ans qu'il y a quand même des orthodoxes en Europe occidentale, d'arriver à enraciner une église ici où on prie en français et où les participants, ou en anglais, enfin, se sentent pleinement des citoyens de leur pays, tout en étant orthodoxes. Durant 3 jours, prêtres et fidèles présents à ce congrès vont alterner conférences, ateliers et prières, avec temps fort de ce rassemblement, celle dédiée demain après-midi aux chrétiens d'Orient.